et je vais rentrer directement et mettre les deux pieds dans le plat. Je comprends pas trop cette expression, mais comme je sais que tu aimes bien ça, on va mettre tout de suite les deux pieds dans le plat, hein. Tout le monde se faire caler, les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la fois. N'hésite pas à t'abonner, hein, tu connais, mais un petit j'aime si je joue à toi, Chi. L'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, de passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même, ok? Et ma formation Pirate Marketing où je te montre les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, plus tous les bonus complémentaires que j'ai rajoutés dedans, e-commerce, crypto, immobilier. Donc, tu as tout ce qu'il faut. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux avoir un rendez-vous offert, normalement. En tout cas, tu pourras en savoir plus. Et le rendez-vous, il est gratuit. Et tu pourras poser toutes tes questions, ok? Et après, une fois que tu as passé à l'action, ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, pour pouvoir être indépendant, ok? Et ça, c'est tous les business. Il n'y en a pas un qui va plus vite. Okay? Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, je redouble mon BP, trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides, arrête de chialer. Si tu fais rien, il ne va rien se passer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Passons directement au sujet de la vidéo. Mais comment éviter de se faire recaler? Qu'est-ce que je veux dire par se faire recaler? De se faire recaler, Gérard. Tout simplement. De se faire recaler. Et je vais rentrer directement et mettre les deux pieds dans le plat. Je comprends pas trop cette expression, mais. Comme je sais que tu aimes bien ça, on va mettre tout de suite les deux pieds dans le plat, hein. Tout le monde se faire caler, les gars. C'est pas possible de pas se faire caler, en fait. Tout le monde se faire caler. Les gens qui se moquent, les gens qui se font recaler, par exemple, c'est des gens qui ont zéro game. Ils ne connaissent pas la femme, ils n'ont aucune expérience avec les femmes. Si jamais ça te fait rire ou un gars, ah, il s'est fait recaler, non. Ça veut dire vraiment tu connais rien du tout. Tout le monde se fait recaler. Les milliardaires se font recaler. Neymar, il se fait recaler. Pourtant, c'est un beau gosse, Neymar. On est tous d'accord pour le dire, pour ça. Hein? No homo. Mais on est d'accord que Neymar, quand même, il est là. Qui est-ce qu'il y a encore qui se recale? Drake aussi doit se recaler. Okay. Tout le monde se fait recaler. Pourquoi? Ben, parce que la nature féminine est complexe, les gars. Si tu en sauras plus, d'ailleurs, les secrets de la nature féminine en description. Pour le prix que c'est, fais-toi plaisir. Mais tout le monde se fait recaler. Donc, l'idée de la vidéo, c'est que je vais plutôt aborder sur comment réduire et éviter de se faire recaler. Et aussi éviter que, par exemple, qu'au dernier moment, les meufs, elles annulent leur date. Tu vois, le truc là, j'ai mal au pied ou ma grand-mère vient juste de rentrer à l'hôpital et je pourrais pas être là ou j'ai mal à la tête, tout ça. D'ailleurs, quand tu as compris ce principe de tout le monde se faire caler, ça t'évite de rester focus sur une seule meuf. Je connais un gars, ça fait 2 ans qu'il est focus sur la meuf, si c'est pas plus. Ça fait 2 ans qu'il est focus sur la même meuf. La meuf, elle l'a recalé. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc ça, c'est cadeau au passage, les gars. Si une meuf, ça fait 2 ans que tu es derrière elle, et qu'elle ne te calcule pas, et qu'elle n'est pas intéressée, ou tu l'as vue une fois comme ça, et ça, vous vous êtes jamais revu, tu envoies un message de temps en temps, te réponds quand elle n'est pas intéressée. Je ne sais pas pourquoi les gars, ils sont là. Faut passer à autre chose, les gars. Et les gars, ils agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas compris le premier point, justement, qui m'emmène au mon premier point, c'est un numbers game. Ok, numbers game. J'ai demandé à ChatGPT de traduire ça. Il m'a dit, parce que je ne sais pas trop comment le traduire, il m'a dit, tu peux utiliser cette expression, tout le monde comprend en France. Ah, d'accord. Voilà, donc je n'ai pas besoin de traduire. Donc, numbers game. Ok, c'est un numbers game. C'est comme le principe, c'est comme la vente, c'est comme le marketing. Vu que maintenant, tu as compris le concept de toute façon, tout le monde se fait caler et que tu vas forcément te faire caler aussi, eh ben, il faut maintenant travailler sur optimiser ton taux de conversion. Ouais, mon gars. C'est du pur marketing. Plus tu vas avoir de prospects, donc plus tu vas rentrer en contact avec des femmes par différents canaux. Ça peut être ta boîte dans la rue, ça peut être via les applications de dating. Hein, c'est qui, pour moi, en tant qu'entrepreneur, je préfère. Hein, j'ai pas le temps de passer mes après-midi à accoster des meufs. Non, j'ai un business à faire tourner. Donc, je préfère utiliser les stratégies d'ailleurs d'un tunnel de vente que je partage d'ailleurs dans ma formation Funnel Tinder où je te montre exactement toutes les stratégies pour avoir des dates en illimité. Bref, donc du coup, c'est un numbers game. Plus tu auras de prospects,
plus tu auras du coup de, que dans le nombre de prospects que tu as, plus tu vas en convertir et que tu auras en dette, plus ce que tu as en dette, tu vas convertir une partie sur une relation court terme ou long terme. Ça veut dire que même quand tu es en dette, ça ne veut pas dire que tu vas faire 200%. Donc dans, à chaque étape, il va falloir que tu améliores ton taux de conversion. De toute façon, je t'en parle dans funnel Tinder. Donc ça, ce premier point, c'est pour vraiment l'aspect psychologique et que les gars, ils comprennent. Les gars, vous n'avez pas de problème. Si vous n'avez pas de meuf aujourd'hui, ou si tu n'as pas les meufs, la meuf que tu veux, ce n'est pas un problème de toi ou un truc comme ça. Alors, c'est possible aussi. Mais généralement, si jamais tu fais les choses bien, à peu près correctement, tu as travaillé sur toi, je pense que je vais en parler après. Le problème que tu as, ce n'est pas que tu n'arrives pas à gérer les meufs, c'est que tu n'as pas assez de prospects. Et c'est pour ça que quand il y a une meuf qui est bien, qui t'a donné un peu d'attention parce que vous avez parlé, vous avez été dans un date, bah tu restes focus sur elle pendant 2 ans, 3 ans. Ah, j'espère que tu restes dans la friend zone, en espérant qu'il y ait une opportunité. Et ça, c'est parce que tu n'as pas assez d'options. Si jamais tu avais plusieurs options, tu en avais plusieurs comme elle, tu ne resteras pas focus sur elle. Elle a dit non, ok, tu passeras à une autre. Deuxième chose aussi pour pouvoir éviter du coup de se faire caler, c'est que tu parles qu'avec des meufs qui ont le concept du burning desire. Ça veut dire quoi? Qui ont vraiment une attirance pour toi. Ça veut dire une attirance, qui sont vraiment intéressées. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tu lui envoies un message, elle te répond. Au dernier moment, tu lui dis vas-y, viens, on se voit ce soir, peut-être que c'est l'après-midi, etc. Elle trouve une solution pour que vous puissiez vous voir, par exemple. Tu vois, alors que si jamais elle n'a pas besoin d'ailleurs, après ça dépend ce qu'elle te répond, tu vois. Mais elle va toujours te dire, ah mais j'ai beaucoup de travail, etc. Tu sais, c'est toutes des entrepreneuses les meufs. Hein, ça. Ils font rien de leur life, mais c'est toutes des entrepreneuses. Non, je rigole. Mais genre, elles ont un travail normal, mais on dirait qu'elles sont plus busy que le président de la République. Donc si jamais tu vois que tu galères, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée. Ou du moins, elle est intéressée, mais pas suffisamment pour que tu passes en priorité et avant Brian. Parce qu'évidemment, elle parle avec Brian aussi. Et Charles et Gérard. Et aussi Mohamed. Donc du coup, tu ne fais pas partie de ses priorités, clairement. Donc ça, ce point-là, ça te permet d'éviter de te faire, au dernier moment, annuler un date. Parce que pourquoi les meufs annulent au dernier moment le date? C'est parce qu'en fait, il y a l'alpha qu'elle veut réellement qui lui envoie un message, en tout cas dans sa perception. Ça ne veut pas dire que toi, tu es un bouffon ou je sais pas quoi. C'est qu'elle, dans sa perception, elle voit lui plus alpha ou en tout cas plus attirant que toi. Donc du coup, au dernier moment, si l'autre lui dit ouais, vas-y, on se voit dans l'après-midi, justement comme ce que je viens de dire, l'après-midi même, il dit vas-y, on se voit ce soir, et toi, elle t'annule. J'ai mal au pied. Boum, et elle va voir le gars. Troisième chose aussi qui est intéressant à faire et que j'avais entendu Alpha Strategy en parler, ça c'est pour éviter que justement elle annule au dernier moment le date par exemple, c'est de ne pas lui donner trop d'attention. Tu vois, genre quand tu as pris son numéro, tu prends une à deux semaines avant de lui répondre, comme ça, et avant de planifier le date, comme ça au moins elle va se dire bon, c'est un gars, il n'a pas beaucoup de temps, au moins si jamais là j'ai pu planifier un date, je vais pas l'annuler au dernier moment parce que bon, il n'a pas beaucoup de temps, si je l'ai déjà pu avoir le date là, vaut mieux que j'y aille, tu vois. Parce que du coup, le moins d'attention que tu vas lui donner, le plus elle va se poser des questions et puis elle va commencer à s'intéresser à toi. Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais ça, je l'ai fait sans faire exprès en fait. Je pense que j'ai discuté avec une femme, avec une meuf que j'avais rencontrée et je pense que c'était son application. Et du coup, après, je lui ai dit, viens, on fait un visio là, que je puisse voir exactement où ce qu'il en est. Je n'ai pas dit la dernière partie. J'ai dit juste, viens, fais un petit visio pour vérifier que tout est conforme. Je n'ai pas dit ça. Il dit, viens, on fait une visio. J'aimerais apprendre à te connaître. Voilà. Et donc, du coup, je crois qu'elle avait dit non et tout, machin. J'ai dit quoi? Et puis, dans mes souvenirs, parce qu'en vérité, je ne me rappelle plus vraiment. Mais après, je sais que j'ai zappé. J'ai vu qu'elle n'était pas très. J'ai pas senti le burning desire. Moi, je ne perds pas de temps. Si jamais je vois que c'est pas machin, next, tu vois. Et je ne sais plus pourquoi, je lui ai renvoyé un message. C'est récemment ça. Je sais pas pourquoi je suis retombé. J'ai dû voir une story ou un truc comme ça. J'ai dit, attends, elle est pas mal. Pourquoi j'ai pas vu elle ça? Donc j'avais oublié. Et donc je lui ai renvoyé un message. Vite fait, bonjour, machin, machin. Je lui ai dit, vas-y, on se voit demain. Elle a dit, ok, pas de problème. Elle était super contente. Et puis après, on s'est vu pendant le date. Ça s'est super bien passé. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle m'a décrit le truc. C'est que vu qu'après, j'ai plus calculé. Parce qu'elle m'a dit, ouais, tu m'as plus calculé, ça fait peut-être un mois, peut-être en fait. J'ai pas fait exprès, c'est pas genre j'ai fait une technique. Après, si tu veux le faire exprès, tu peux le faire aussi exprès, bon, voilà, comme une technique. Bon.
façon, si tu veux vraiment des stratégies, tout ça, vraiment, réellement, je partage tout ça dans, je pense, c'est dans Funnel Tinder, ou dans Secret de la Nature Féminine aussi, dans Zeus. Check, de toute façon, dans la description. Et donc, du coup, en fait, pendant un mois, en fait, j'avais son numéro, mais après, je ne l'ai plus calculé. Et ça l'a forcé. Et franchement, au début, je pense qu'elle n'était pas vraiment... Je ne l'ai pas senti. Dans mes souvenirs, hein, peut-être que je me trompe et que je me... Mais il me semble que... En tout cas, de mes souvenirs, moi, ce n'était pas vraiment, vraiment intéressé. Elle était comme ça, intéressé, normal. Moi, je zappe. Et donc, du coup, ça l'a forcé à s'intéresser à moi et à regarder mes stories et voir ce qu'il en est. D'ailleurs, je partage toutes les stratégies des stories aussi dans Funnel Tinder. Ça, c'est dans Funnel Tinder. Et donc, du coup, c'est comme si elle me connaissait, en fait. Parce que quand je suis arrivé, elle a commencé à dire des trucs de mon quotidien que je faisais. En fait, elle me connaissait déjà, en fait. Mais bon, bref, tout ça pour te dire qu'en gros, le date, ça s'est super bien passé. Tout s'est super bien passé. OK? Alors que je pense que si jamais j'avais enchaîné dès le deuxième jour, troisième, on se voit, etc., je pense qu'elle a dû faire des chichis ou... De toute façon, déjà, le simple fait qu'elle ne veut pas faire de visio, tout ça, c'est que la meuf avait fait des chichis, déjà. Tu vois, donc... Bref. Donc après, ça peut être un hack, tu peux essayer de l'utiliser. J'aime pas trouver des stratégies comme ça. Ah, tu vois, je préfère baser, comment dire, l'attirance que tu peux provoquer chez la femme en travaillant sur toi. D'ailleurs, ce qui fait le... On arrive d'ailleurs au quatrième point, c'est de travailler sur les trois piliers. Ça veut dire sur ton argent, le statut et apprendre la nature féminine. Ok, savoir vraiment, si tu comprends pas la nature féminine, même si tu as les deux autres, c'est foutu. Si tu as les deux autres, tu vas juste être un pigeon pour elle. Elle va juste venir prendre ton argent et repartir. Voilà. Elle ne sera pas excitée par toi, etc. Si tu connais le secret de la nature féminine, que c'est intégré, c'est pas juste tu répètes la chanson et puis genre tu connais par cœur, entre guillemets, des règles. Et puis après, quand tu parles avec elle, en fait, tu t'agis comme d'habitude. Il faut vraiment que ça soit en toi, que tu agisses. Ça prend du temps. Il faut changer tout le concept dans ta tête parce qu'on nous a menti hein, depuis tout petit. Mais il faut que tu travailles sur les trois piliers. Même quatre. Je dis trois, mais quatre. Et avoir les abdos. Il faut que tu aies les abdos. Une fois que tu as tout ça, de plus tu excelles sur les quatre piliers que je viens de te dire, de moins tu as besoin de hack. De plus ta conversion elle va être élevée. De moins les femmes elles vont annuler au dernier moment. Après, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas recaler ou qu'il n'y en a pas qui vont essayer d'annuler au dernier moment, mais ton taux de conversion il sera beaucoup plus élevé. Ça n'aura rien à voir. Et quand, si en plus tu rajoutes ces genres de petits hacks en plus, ça sera encore plus performant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si t'as pas aimé. Sur tout ce qui est relation femme, tu as Zeus, Secret Nature Féminine en description et ta funnel Tinder pour avoir des dates en illimité. Ok, même si t'es un gars moyen. Après, si t'es en dessous de moyen, c'est. Faut que tu travailles sur toi aussi, hein. C'est pas non plus, je suis pas magicien. Et les gars, ouais, bah, c'est tout. Hein. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.